Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de silence, merci. Nous sommes réunis aujourd'hui, et je remercie déjà tous les marcheurs, tous ceux qui ont été au col, ce col de fenêtre qui a tellement d'importance pour les Saint-Martinois, mais aussi pour tous ceux qui sont passés par ce col pour essayer d'échapper à cette barbarie allemande. L'impensable. L'impensable, chaque année, lorsque je me retrouve ici devant vous, devant ce monument, devant ces stèles, où l'on peut lire les noms de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, assassinés, et que nous n'oublierons jamais. Je me pose cette question. Comment? Pourquoi des hommes ont-ils voulu faire disparaître une race d'hommes identique à eux? J'ai regardé dernièrement des photos de juin 43. L'image a fixé ces sourires insouciants de jeunes heureux à Saint-Martin. Il y avait là un mélange de jeunes Saint-Martinois et de jeunes juifs. Je ne saurais dire qui était juif et qui était Saint-Martinois. C'était les mêmes, c'était des jeunes, heureux de partager ces instants ensemble. Alors aujourd'hui, je me pose toujours cette question, comment? Pourquoi? Sur ces questions, je n'attends pas de réponse. Soyons simplement vigilants pour que l'impensable ne se reproduise plus jamais. Et comme il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer notre peine, je vous propose une minute de silence pour honorer la mémoire de nos chers disparus. Nous sommes tout ensemble un peuple uni. Merci. Je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Monsieur Vancier. Aujourd'hui, au col de la Madone de Fenestre, il n'y a jamais eu autant de monde. Ce qui prouve que la mémoire a de l'avenir. Pour que ça n'arrive jamais plus, soyons nombreux à venir ici, à Saint-Martin-Vésubie, village emblématique de ce qui s'est passé en France, où pendant un an, Abraham, qui est un survivant de cette marche, le dira, ils ont été heureux. Ils ont été heureux jusqu'au moment où les Italiens se sont retirés. Alors continuons longtemps des manifestations comme celle d'aujourd'hui, comme celle qui était vraiment internationale aujourd'hui au col de la Madone de Fenestre. Continuons, poursuivons, parce qu'il faut le faire. Avram, s'il te plaît. Avec votre permission, Monsieur le maire et gentil public, Daniel, avant que je récite la prière de Kelmalé Rachamim pour les disparus de la Shoah, j'ai quelques mots à vous dire. Vers la fin du 19e siècle, un fameux écrivain américain, Mark Twain, avait écrit pour un journal un article concernant le peuple juif. Je paraphrase un petit peu ce qu'il a dit. Des anciens Égyptiens, il ne reste que des monuments muets comme témoins de leur grandeur. De le pouvoir babylonien, seulement des ruines avalées par le sable du temps. La splendeur de l'ancienne Grèce n'y est plus. Suivie par la puissance illimitée de l'Empire romain,
et encore d'autres, beaucoup d'autres qui les ont suivis, qui est disparu. Alors enfin, ce écrivain se pose la question, quel est le secret de survie de ce peuple juif indomptable? À travers les âges, nous étions comme du fer dans les mains du forgeron. Ils nous ont fait passer par le feu sans cesse. Nous avons été battus plusieurs fois, et puis nous avons été noyés, et en résultat, nous restons un peuple pauvre en nombre, mais toujours solide comme le meilleur acier. Chaque année, au repas de Pâques, ça veut dire le céder de Pessah, nous élevons un gobelet de vin et nous récitons un passage. Dans chaque génération, il existe ceux qui veulent nous exterminer. Mais le tout miséricordieux, béni soit son nom, nous sauve de leurs mains. Le Tout-Puissant accomplit cela par l'intermédiaire de ses émissaires, les anges. Nous sommes ici devant un monument qui liste les noms de ces anges, les justes parmi les nations à Saint-Martin-Vésubie. En grande mesure, vous êtes la cause que j'ai survie. Alors permettez-moi de vous remercier votre dévouement par vous présenter le résultat de votre altruisme. Je vous remercie de tout cœur. Am Yisrael Chai. Merci. Kel mole rachamim, shonken bamrimim, am tse menucho nechoyno al kanfei ashchino, v'malo es kedoshim utoherim, kezoi har horakia mazirim, es nishmois, הקדושים והטהורים שהומסו ושנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנצבעו ושנחנקו על קידוש השם על ידי הצוגרים הגרמנים מרשמם זיכום בעבור שבלי נדר אתן צדוקו בעד אסקורס משמעיסיהם בגן עדן תהם מנוחוסום לכן בעלו רחמים יסתירם בססר כנופל אוילומים ויצחור בצחור החיים אס נשמעיסיהם אדינוי הוא נחלוסום ויונוחו בשולם על משכבויסיהם בנוימר אומן Dieu, empli de miséricorde, résidant dans les hauteurs, fait trouver le juste repos sous les ailes de la présence divine parmi les saints et les purs qui brillent comme la splendeur du firmament. Des 6 millions de Juifs disparus de la Shoah, qui ont été égorgés, abattus, brûlés, pendus, noyés et qui ont ajouté à la sanctification de ton nom, aux mains des assassins nazis Yom HaShoah et leurs auxiliaires d'autres peuples, du fait que toute l'Assemblée prie pour l'élévation de leur âme, et ainsi accueille celle de les justes du monde qui ont risqué et même sacrifié leur vie afin de sauver celle de leur prochain. En conséquence, le Maître de miséricorde les cache dans le secret de ses ailes pour l'éternité, que le Seigneur soit leur héritage, qu'au paradis soit leur repos, et disons Amen. Merci Avraham. Nous allons commencer maintenant à lire la liste avant les déportés. Nous allons lire les justes parmi les nations dont Avraham a dit très justement, c'était les anges du peuple juif. Fougère, Nélavo, Yvonne. Fougère, Joseph. Mangeon, né Cafarel, Adrienne. Mangeon, Jules Landry, Rebo, né Héro Victorine, Franco, né Rebo Marguerite, Rebo Joseph, Vassalo, né Boin Fanny, Ceci, né Isnar Henriette, Ceci Paul. Merci. Je voudrais souligner que les familles Fougère et Mangon étaient des gendarmes à Saint-Martin-Vésubie. Ça veut dire qu'ils ont désobéi à l'État de Maréchal Pétain, mais ils ont désobéi également à leurs supérieurs en prenant des bébés qui avaient un an, chaque famille,
et qui ont dit « c'est le leur ». Nous allons commencer maintenant la lecture des noms des déportés avec, pour les enfants, leur âge. Monsieur le maire va commencer. Tout le monde peut participer à cette lecture. Il suffit de venir vers moi. Monsieur le maire. Quelques enfants, ça serait bien. Antazon, Abraham. Balin, Geza. Brumenthal, Perle. Borg, Lisa. Borger, Anna. Brett, Stella. Drucker, Émilie. Eppelbaum, Simon. Friedman, Toybe. Holner, Pinkas. Koch, Monique, 2 ans. Koch, Nicole, 2 ans. Deux mois. C'était la petite sœur. Ces deux petites sœurs qui ont été raflées, déportées et emmenées. Krish Isidore. Langnas Pauline. Levkovitch Abraham. Levkovitch Dina. Mort à Abraham, 14 ans. Morgenstern Akiva. Nerman Gertrude. Gertrude. Nerman Kurt, Petersil, Raya, Rosada, Marcel, 8 ans, Rosenblum, Faiga. Très bien, ma chérie. Applebaum, Pinchas, Applebaum, Renata, Benatan, Joseph, Berger, Geza, Bilenki, Dora et Bilenki, Evelyne. Abraham Armin, Abraham Charlotte, 5 ans, Abraham Fanny, Abraham Yvonne, 2 ans, Antman Charlotte, Antman Joseph. Saltiel Ludy, Saltiel Maurice, Saltiel Signora, Schwirtz Anna, Steinbach Adèle, Zostak Joseph. Gabel Naftali, Gabel Sura, Gelbhardt Albert, 2 ans, Gelbhardt Chaya, Gelbhardt Mendel. Brunel Raymond, Brunel Robert, Cohen Léon, Cohen Yvonne, Cornicher Jean. Feigenbaum. Schmerle. Flanck Gerouchem, Galant Abraham, Galant Jouda et Galant Rosa. Toda là-bas. Qui prouve aussi que des familles entières, vous voyez, quand vous voyez les noms, c'est des époux, des femmes, des familles entières ont été raflées et exterminées. Deutscher Hertz, Deutscher Liane, Edelman Salomon, Effermann Ernestine, Effermann Isaac. Effermann Moritz, 5 ans. Erdreich Hélène. Erdreich Michel. Erdreich Xenia. Fass Rivka. Gershenson Abraham. Gershenson Genia. Gershenson Chava. Gershenson Israël, 8 ans. Gertner Chaim. Gertner Madeleine, 8 ans. Gertlen Malka. Grosse Chaim, grosse Sel, grosse Gisela, grosse Sura. Grimbert David, Albert Samuel, Hastein André Setrau. Arsten Irene, Arsten William. Gottesman Marcel, 5 ans. Gottesman Marie, 1 an. Gottesman Mendel.
Gottesman Olga, Gurevich Ada, Gurevich Ensel. Gess Schleider Estera, Gess Schleider Hélène, 12 ans, Glaser Ferdinand, Goldstein Bluma, Golombek Anna, 13 ans, Golombek Rivka, 17 ans. Hirsch David, Hirsch Yerucham, Hirsch Philippe, Hirsch Regina, Hirsch Suzanne. Horowitz David, Horowitz Fanny, 11 ans, Horowitz Marcel, 13 ans, Horowitz Siska, Ikovic Irène, Ikovic Monique, 11 ans, Jugerman Marcel, 18 ans. Lorbert Alice, 3 ans, Lorbert Eugénie, Lorbert Evelyne, 2 mois. Et je souhaitais particulièrement citer moi ceci parce que j'ai très bien connu leur père et mari après la guerre, qui était évidemment docteur Lorbert. Voilà, c'est tout. Jungermann Albert, 2 ans. Jungermann Chaja. Jungermann Mejlock. Kaposi Ilona. Kaposi Oscar. Katz Hermann, Katz Josef, 7 ans, Katz Rachel, Katz Suzanne, 5 ans, Kornblum Isaac. Kram Charles, 3 mois, Kram Ernest, Kram Zifra, Kresny Herbert, Kresny Jeanne. Une famille, 4 personnes, Hélène Kupfer, 3 ans, Michel Kupfer, 6 ans, Yankel Kupfer et Salomé Kupfer. Lando Bernard, 14 ans, Lando Isaac, 17 ans, Lando Malvina, Lando Regina, Lévi Berthe, Lévi Paul, Liebeck Edouard. Linder Berthold, Linder Gisela, Linder Raymond, 2 ans, Linder Roland, 10 mois, Linder Rosalia, Linder Willem. Manasse Emmy, Manasse Herbert, Manasse Ida, Manasse Wolfgang, 14 ans. Merci. Marx Johanna, Meyer Daisy, Meyer Marianne, Meyer Paul, Moldauer Léopold. Bonjour. Bonjour. Morgenstern, Morgenstern, Fanny, 5 ans, Morgenstern, Judith, Nathan, Nathan, Mathilde et Nathan, Simon. Famille Panzer Aaron, Panzer Blanca, 13 ans, Panzer Dobra, Panzer Maurice, 14 ans, et Panzer Suzanne, 1 an. De la même famille aussi. Peller Bernard, Peller Nora, Pelosov Edgar, Perle Alice, Perle Mayer, Pinchas Naftali. Quatre d'une même famille. Béatrice Podolski, 5 ans. Adela Podolski, Zygbert Podolski, Simcha Pisars, Ginette Polak, 9 ans. Jacob Polak, Edgar Price, 9 ans. Lina Price. Pressburger Mariette, 8 ans. Pritch Jacob, Pritch Mira, Reich Leia, Reiter Edouard, 17 ans.
Rosenshein Annie, Rosenshein Sarah, Rosenthal Baruch, Rosenthal Deborah, Rosenthal Lib, Rosenthal Nahum, 18 ans. Roth Hélène, Roth Noël, Rudinsky Maurice, Rudinsky Régine, 6 ans, Rudinsky Rosa, Rudinsky Samuel, 16 ans. C'est une famille apparemment. Satiel Jacques, Satiel Jean, 1 an, Satiel Joseph, Satiel Rebecca, et Schusselberg Salomon. Encore une famille, 4 personnes. Dorothée Sayovici, 2 ans. Moses Sayovici, 9 ans. Brucha Sayovici et Baruch Sayovici. Schönbrunn Joseph, mon père. Schustermann Henri, 12 ans. Schustermann Jacques. Schustermann Marcel, 15 ans. Schustermann Maurice, 17 ans. Mann, Walter, Marienberg, Eva, Marienberg, Isaac, Marienberg, Michel, Marienberg, Simon, Marienberg, Wolf. Schwirtz, Eliane, 2 ans, Schwirtz, Thérèse, Sirzantovich, Lily, 15 ans, Sirzantovich, Maurice, Singer, Rosalia, Spira Sigmund. Stockfish Armand. Stockfish Chaya. Stockfish Chaya. Stockfish Henri. Stockfish Kalman. Stockfish Masia. Grande famille. Stolzberg Pinkas. Stutt Masia. Stutt Saya, Stutt Sonja, Statowski Wenig Betty, Statownik Daniel, 2 mois, Starkovnik Henri, Starkovnik Sarah. Schiekedi Chaim, Schwark Simon, Tarnowski David, Tarnowski Gerda, Tarnowski Jean, 1 an, Tarnowski René, 4 ans. L'âge des enfants, c'est vraiment, ça touche le cœur. Templer Salomon, Tint Herbert, Tint Hugues, 6 ans, Tint Julius, Wexler Léopold. Monsieur le maire va terminer. Je vais les suivre là-dessus, regardez. Weingarten Rudolf. Weiss, Margit, Weistreich, Benjamin, 14 ans, Wexler, Léopold, Wolf, Fanny, Wolf, Léa, 3 ans, Wolf, Maurice, Wolf, Rachel, Wolf, Fanny, Wolf, Léa, 3 ans, Wolf, Marie, Wolf, Rachel, Wolfinger, Norbert, 4 ans. Merci à tous. Ils ont été élus ? Bon, mais c'est bon. M'excuse. Je voulais vous remercier tous et je voulais aussi dire que je remerciais le principal aussi du collège de Roquebilière, M. Olivier Dufrane, qui est beaucoup investi aussi dans toute cette mémoire. Et je voulais passer la parole à Isabelle Monin, mon adjointe, qui s'est quand même aussi beaucoup investi et qui a deux mots aussi à dire. Et on voudrait remercier aussi l'Hôtel des Pèlerins qui nous a offert le café, les boissons ce matin, et la mairie de Saint-Martin-Vésubie qui a offert les viennoiseries. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Voilà, en fait, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on a eu énormément de monde du côté français et c'était vraiment...
quelque chose de vraiment qui nous a fait chaud au cœur. Et c'est vrai qu'il y a eu une première ce matin parce que l'hôtel des pèlerins de la Madone de Fenestre nous a offert grand ses portes. Et c'est vrai que c'est important de le souligner parce que c'était vraiment super sympa de trouver non seulement le café, mais un peu de chaleur humaine et de la fraternité. Et surtout, un très bel exemple d'œcuménisme. Donc voilà, je tenais vraiment particulièrement à le signaler, d'autant plus que Marcel Perotti, le président, et ainsi que Yvan Toche sont montés avec nous. Et c'était vraiment super de les avoir à nos côtés. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Je me repasse le... Vous avez quelque chose à dire ? Je sais pas. Non, maintenant, on offre à la mairie. Maintenant, on vous offre un peu le verre de l'amitié, si vous voulez, à la mairie. Voilà. Et merci encore à tous de votre implication.